Eh bien, salut à tous, c'est NeoCyber, alias Mima, et donc c'est extra! Oui, c'est l'extra stage, donc voilà, c'est parti, go! Voilà, donc ça va être l'extra start. Donc j'avais fini en normal la dernière fois, et là, oh, c'est l'extra mode! Et ils nous disent, oh, j'espère que tu peux éviter les dames à coups, wack, wack! Bon, j'ai que Remo pour l'instant, hein, donc on va déjà essayer comme ça. Bon, bah, c'est parti! Et j'ai déjà tous les pouvoirs. Ouh là là. Voilà, et ça commence très fort. Ouh là. Bon, alors ça dit que les yokai se préparent pour la rébellion et le titre ne disparaît pas. C'est génial, je vais me retrouver. Et voilà, et ça commence fort. Bon, là, je fais juste une pause parce que j'ai l'ordi qui déconne. Il faut... Ah, j'avais la transe disponible. Oh là là. Et là j'ai encore l'ordi qui plante, donc voilà. C'est la fête, c'est le début, donc voilà. Je suppose qu'il faut activer les trans à certains moments. Je prends des risques inutiles, mais bon, comme j'ai l'autofocus, je devrais me concentrer sur les tirs, sur les. La musique est un peu bizarre quand même. Ah voilà, là il aurait fait. Oh, encore un recyclage. Ils ont enfin ressuscité, mais maintenant je vais devoir le détruire. D'accord, détruis-moi. Et voilà, bah détruis-moi. Voilà. J'ai fait un retour au title par précaution parce que des fois j'ai eu des. Enfin bon, c'est un effraçage, on s'en fout. Bon bah je recommence. Et quand tu veux, petit ordinateur. Merci. Bon là j'ai un peu le temps hein, d'enregistrer, donc je vais faire jusqu'à ce que j'en ai marre. Que j'arrive à l'extra boss, ce serait une bonne chose. Bon. Rage kit. Bon, je vais pas faire comme ça, je vais y aller doucement. Voilà. On va y aller doucement, y a pas de raison hein. Quand même, y a pas de raison. Voilà. Moi je crois que je vais débloquer Yomu pour ça parce que... Peut-être qu'on peut avoir une transe avant. C'est peut-être mieux que de me taper des QED miniatures. Oula. Ah. Oula. Bon, c'est vrai qu'on se passe. Ah. Oh merde, je me suis fait toucher, je pensais pas. J'étais déconcentré. C'est con parce que c'est juste avant Noué. Donc il dit qu'elle va nous éclater la gueule. Bon, bon, on la refait. Bon, apparemment ne pas bouger du bas est une astuce. On va dire tant mieux. Mais comment ça? Non, honnêtement, je l'ai pas senti venir celui-là. Oh, quel ordi de merde. Alors, un peu plus loin cette fois-ci. Ah d'accord, il y en a d'autres qui arrivent, j'avais pas compris. Ça me rappelle la carte de Patchouli. Ah oui, il y en a toujours trois. Bon, j'ai encore une bombe, donc ça durera un peu plus longtemps. Je le sens pas. Voilà, voilà. Oula oula, faut pas que... Oh, y'en a de plus en plus. Ah. Merci. Merci de l'avoir achevé, de me donner une extend. Et des bombes et des tas de trucs et... Oula.
J'hésite à aller chercher mes points. Mais quand je vais arriver à l'extra boss, je suppose que je devrais les avoir sur moi. Ah, allez, ça commence. Bon, tant pis, j'avais pas encore la France, donc comme ça au moins je récupère des trucs. Allez. Merci beaucoup. Oh, merci bien. Bon, je vais quand même essayer d'arriver. Pourquoi je craque comme ça systématiquement? Ah, quand même. Bon, le scénario, je m'en rappelle plus. Rému arrive et donc elle rencontre Mamizu. Oui, c'est vrai qu'elle ressemble à ça, cette fille, donc voilà. Utatsua Mamizu. Donc elle dit qu'elle se présente, je suis Futatsura Tsado. Quel nom étrange. Et donc voilà, les yokai m'ont appelé parce qu'il y a quelqu'un qui les dérangeait, enfin un saint. Il dit oui, je suis déjà passé dessus, je les ai tous exterminés. Voilà, et donc elle dit ah bon, d'accord, et voilà. Et donc elle dit dans ce cas, nous allons avoir un combat et je vais utiliser mes 10 formes. Et j'ai le pouvoir de te convaincre apparemment. Oula, 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 une seconde. Oui, un petit enregistrement propre quand même. Hein. C'est la moindre des choses. Déjà que je vais crever. Mais je voulais activer ma transe, pas me faire toucher, j'ai appuyé sur C. Bon bref, c'est pas grave. Ah mais je l'ai activé. Oh, c'est les UFO. Voilà. Bon, ça ressemble à Noué. Je suis content. J'aimerais bien appuyer sur Retry histoire d'éviter de retourner sur l'écran titre. Bon voilà, c'est toujours ça de prix. Pourquoi je prends des risques inutiles? Oh, et puis merde. Rage Cats. Rage Cats. Mion, mion, mion. Et on est où au fait? Ah, on est devant le temple Muren, c'est vrai, j'avais reconnu le background. Background que t'as jamais le temps d'admirer dans ce jeu. Bon. C'est vrai qu'elles apparaissent par là. Mais si. Je suis trop naze. Je suis fatigué, là. Il est 2h18 du mat, j'ai monté un lit, je suis allé très loin le chercher, et j'ai nettoyé mon appartement. Alors stop. Voilà. Merci. Allez, allez, que j'obtienne un peu quelque chose au moins. Yeah. Come on. Voilà, je suis prêté. C'est con parce que j'avais un bon feeling là. Et d'ailleurs, je crois que j'avais ma transe. Il faut l'utiliser là, je pense. Bon bref, c'est pas grave. Bon. Y a pas de raison, non, parce qu'après je vais être D5. Voilà, je suis... Voilà, donc elle a des lunettes, c'est comme le personnage de Two Project Croix, Rikako Asakura. C'est la première depuis longtemps, donc c'est un esprit juste qui est gentil. C'est pas un vrai UK parce que nous, elle appelle et... Elle est pas si puissante, quoi. Bon, ça va, c'est du RIN. Bon, d'accord, ça c'est déjà plus simple. Enfin, je crois. Et il faut pas que je reste devant le boss quand ils sont dans les coins. C'est quelque chose que je n'ai jamais appris. Hmm.
Mais putain, quel con. Quel absolu con. Bon allez, je veux voir la suite quand même, hein, qu'on avance un petit peu. Parce que Dispel Card... Bon, il y a de quoi trancer là. Ça va aller dans l'autre sens. Ouais. J'ai bien fait de faire attention. Oh là là, l'ordi. Voilà. Bon. Oui, j'évite la D5 en faisant encore plus avec les pauses. Mais ça, je m'en fous. Allez, nouer encore. Oula. Bon, j'ai une idée. Non. Je vais m'empaler sur toi, c'est plus simple. Bon, j'ai déjà battu mon score, c'est bien. On va s'arrêter là, je crois. C'est con qu'on ait pas de retry quand même, hein, parce que là, je tourne un peu en rond. En fait, la musique là, elle est sympa, mais... Enfin, les instruments sont bons, mais elle est trop simple quand même, cette musique. Je l'aime pas trop. Bon, alors, je réexplique sur le scénario, donc elle dit qu'elle a battu tout le monde. Et Maïzu lui dit, maintenant que je suis là, tu vas pas t'amuser comme tu veux, enfin. C'est musical que j'adore. Franchement. Oh, ça commence bien. Surtout que c'était facile à esquiver. Je regrette. Alors, c'est les UFO de Noé. Alors, comme ils vont dans ce sens-là, je vais essayer d'aller dans cette direction. Et voilà. Voilà. Ça servait pas du tout à grand chose. Par contre, j'ai plus de points, je sais pas pourquoi. À cause de la France, peut-être. Bon, bah voilà, on recommence. On recommence, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Mais maintenant que j'ai compris un peu comment marche le stage, un peu mieux, je devrais mieux m'en tirer. Bon, il nous est apparaît, donc voilà, son sprite n'est pas changé, Nico Gaza. Mais Yuyuko, oui, donc Zun avait du temps à perdre. En fait, c'est là qu'il faut activer la transe, mais faut pas perdre de vie, quoi. Aucune vie, une bombe. C'est sympa. Quel boss étrange. Et pourquoi elle a les mains devant ses seins comme ça, aussi, celle-là? Donc, c'est les petits UFO de Noé. Bon, j'aurais pas dû faire comme ça. Mais... Bon, là, j'ai été coincé, j'ai eu peur d'avancer, j'aurais pas dû. Bon, au moins, tu es sensible à la France. C'est toujours bizarre, cette seule carte. Bon alors, c'est les Fox Drive que j'avais eu peur la dernière fois. Et je sais pas comment refonctionnent les Fox Drive. Voilà. Bon alors là, je sais pas comment on les compte, les Fox Drive. Voilà, donc on va faire attention cette fois-ci. Voilà, donc je vais rester là tranquillement, à me baser sur mes autofocus.
Voilà, donc c'est les nuffos de Noé. Voilà, donc c'est toujours aussi Zarbi. Et voilà. Ce que je voulais pas, j'étais trop court. Est-ce que tu vas mourir? Oui, merci. Voilà, donc... j'avance un peu. Oula. C'est Zarbi. Voilà, donc c'est les renards. Oui, voilà. Bon, alors lui, je l'ai pas vu. C'est ce que je redoute, c'est quand il t'arrive comme ça, t'arrives pas à les contrer, j'ai l'impression. Bon, à toutes. Voilà, donc on voit. Donc j'ai d'autres renards. Et cette fois, j'espère les stopper. Allez, je bombe, là j'en ai marre. Hein. Et voilà. Bon, la suite, allez. Bon, ça va, c'est encore ça. Ok, donc, ça va. Allez, troisième speaker, à quoi je m'attends? Oula. Oulala. Donc des oiseaux. Oh, je l'ai eu. Heureux moi. Oula. Bon là c'est un peu plus la merde. Ah non, ça va. Et... ok, come on. Des grenouilles. Oula. Ah voilà, des kéros, oh tant pis pour ma gueule. Et c'était trop près, voilà. Tant pis. Oulala. Ça suffit. Laisse-moi m'échapper. Ouais bon bah voilà. Bon là c'est le bordel, c'est mis. Allez. Je veux au moins avoir celle-là. Coucou les gars, des pots de biscuits. Bon. Donc les monsieur biscuits, je sais pas comment les passer. Mais je suis quand même déjà arrivé jusqu'au monsieur biscuit. C'est pas trop mal pour l'instant. Et j'en suis aux grenouilles. Bon. Bon, je savais pas qu'il fallait juste la passer une fois, tant mieux. Bon, là, c'est de plus en plus délicat.
J'aurais pu activer la transe, c'est vrai. Je suis pas toujours au courant que j'ai les trucs, moi, en fait. Bon, ça tombe bien parce que c'est la seule carte super, super dure que j'ai rien compris. Bon, il y avait un renard qui m'est rentré dedans, tant pis. Ah, full power up. Dans cette espèce d'éternel mic. Et hop. Ah. Ok. On avance. On avance de plus en plus. Bon là j'ai craqué, j'ai pas compris. Eh. À mort les monsieur biscuits. Oh, enfin. Allez, Eternal Mic 2. Allez. Ouh. Je devrais pas rester... Bon. Ouais, oh, tu te fous de ma gueule. Tu te fous de ma gueule. Ouais bon, laisse tomber. Je pense que c'est faisable mais il faut aller très vite de l'autre côté. J'avais déjà vu une attaque comme ça avec Flandre. Et j'aurais bien aimé avoir... Oh putain, les bonus. Bon là j'ai craqué mais je vais voir ce que c'est. Alors c'est quoi ça? C'est au cul, d'accord. Oula, tu fais quoi là? Tu fais quoi? Ouais. Oh pourquoi j'ai fait ça? Non. Voilà. Alors là c'est con. Elle explose qu'à ce moment là. Bah oui mais je pouvais pas le savoir. Moi j'avais eu peur. Bon. Oh bah on est allé vachement loin dites donc. Je vais sauver le replay je crois. Pour celui-là, juste. Que ça me serve de leçon. Hé hé. On dirait une manif du Front National. Et c'est très poétique, je viens de les bomber. Oh. Et va chier. Voilà. J'avais remarqué que les oiseaux étaient aléatoires et les chats bougeaient toujours de la même façon. Mais bon, maintenant ça sert plus à grand chose. Bon, mine de rien, je me débrouille bien pour l'instant. Oh non! Oh putain! Bon, alors là, j'ai rien géré. Il me semblait que j'étais bien. Il aurait fallu que je graisse sur le côté. Bon, ben voilà. Oh là là, on dit qu'il plante. Voilà, alors ça, s'il n'avait pas planté, je pense que j'aurais mieux réagi. Putain d'oiseau. Non, j'ai craqué, j'aurais pas dû. Et je voulais l'esquiver. Voilà. Oh là là, allez.
Oh, quand même. Est-ce que j'ai une bombe? Non. Voilà, voilà, comme avant. Oulala. Là, je suis trop con. Oh ouais, peu importe, on y est. J'aurais bien aimé que ça se passe pas comme ça. Ok, voilà, donc là j'aurais pas dû l'attendre en bas. Voilà, et il y avait une grenouille. Je crois que je devrais garder ma tranche pour celle-là. Je sais pas ce qu'elle veut, la raton laveuse. Surtout que j'ai plus de pouvoir. Voilà, donc là je sais pas ce que tu veux. Bon. Donc c'est la survival, donc il est inutile de résister. Enfin je pense. Ok, voilà, donc c'est raté. Oula, j'ai eu chaud. Bon là, je comprends pas. Je comprends pas. Voilà, bon, alors là... Hey, c'est la manifestation du Front National. Mais j'ai trouvé comment la contrer. C'est risqué, mais ça marche. Bon alors oui, c'est un peu zarbi. Je reconnais. Faire attention à pas se manger en pleine gueule. Et le reste c'est juste une question de temps. Voilà. Voilà, on y est. Voilà, donc j'ai perdu une vie, c'est bien. J'aurais dû bomber. Ouais, je bombe, j'en ai marre. Je suis fatigué, là. Voilà, alors ça, c'est l'intégrale de Titi et Gros Minet. C'est comme ça que je l'appelle. Alors, les oiseaux sont un peu cons, parce qu'ils vont changer de direction, les chats, non. Enfin, des chats, des... Voilà. Sont cons quand même ces oiseaux. Allez, allez, ouais. Ah. J'ai déteste ce truc. Bon alors en fait je donne deux coups à gauche et un coup à droite à chaque fois. Bon alors ça c'est la carte que j'aime pas, voilà. Oh là là, oui, il en y plante un petit peu. En fait,
après j'ai trouvé une autre méthode pour le capturer, mais là ça marchera pas. Oui, j'aurais pu l'avoir quand même, mais j'avais pas 4 de pouvoir. Bref, voilà, ça s'est réglé. Ah bah, c'est juste. Voilà. Oui, c'est... Voilà. Bon alors, c'est la survival. Et j'ai pas trouvé de moyen dans le spell practice pour la capturer légitimement, donc je vais juste bomber. Oui, vous remarquez, j'ai eu beaucoup de bombes et beaucoup de vie, en fait, j'ai un peu triché. J'ai utilisé mon safe state. Mais personnellement, ça m'est égal. Voilà. Alors, il faut diriger les oiseaux dans une direction et les chats dans l'autre. Donc j'ai appelé cette spellcard 30 millions d'amis. Hein. Et voilà. Bon, je voulais utiliser une bombe. Oh, allez vous faire foutre. Allez tous vous faire foutre, 30 millions d'amis. D'ailleurs, qui regarde encore 30 millions d'amis? Allez hop. Il me reste 2 vies devant, peut-être qu'en trichant, il m'aurait rien resté. Oh. Bon, allez, j'ai 3 pouvoirs. Et la dernière, j'ai eu le temps de la pratiquer un petit peu. Alors je devrais pouvoir la capturer. Voilà, donc c'est une sorte de Michaguji. Enfin, s'il y a des grenouilles, moi j'appelle ça. Et va te faire mettre. Je viens de perdre 2 bombes gratuites. Bon, par contre, je suis à 2 pouvoirs. Ah non, j'étais à 3 avant. Oui, il y aura une des 5 audio, hein, mais je m'en fous. Ah, je suis trop occupé, comme on peut le constater. Putain! Oui, bah j'y peux rien, moi, il y a une D5. Oh, tu fais chier. Allez! Allez! Merci. À partir de là, je fais en sorte que les grenouilles tapent sur le côté à chaque fois de l'écran. Et là, j'ai juste à capturer Michaguji. Et j'aurais pas dû faire ça. Mais bon, maintenant, je suis plus concentré. Et hop, Kero. Kero. Non! J'ai voulu bomber. Bon, je vais couper jusqu'à ce que j'arrive à nouveau là, et puis voilà. Et en plus, ça fait chier parce que j'ai perdu 2 vies, donc voilà. C'est con. Oui, il y a un extra clear parce que j'avais triché, hein. C'est écrit sur l'écran, vous l'aviez déjà vu. Bon, bah voilà. Ok, donc nous en sommes là. Oh putain, j'en ai marre. Allez, c'est la fin, je peux encore tenir. Waouh, faisons attention. Donc la stratégie consiste à guider les grenouilles sur le côté gauche et d'affronter des Michaguji. Alors, vaut mieux affronter les Michaguji sur le côté que sur la gauche. Mais bon, personnellement, je m'en fous un petit peu. Hein. Voilà, dès qu'elles brisent et qu'elles vont tirer, voilà. C'est pas sorcier, mais... J'aurais dû me faire tuer, là j'ai eu de la chance. Est-ce que j'aurais le réflexe d'utiliser ma bombe avant de mourir? Kero.
Allez, hop. Voilà, terminé. Ah, oh, quel fiasco. Bon, j'ai un peu triché, je vous l'avoue. Mais là, j'en ai marre. Honnêtement, bon. Donc elle dit, voilà, go, 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 hack, tu n'es certainement pas humaine, voilà, blablabla. Et donc, voilà, donc je suis venu tout ça, donc pourquoi, si, voilà, genre des plantes, mais là je m'en fous un petit peu, c'est la fin. Et elle dit, je viens de l'autre côté de l'océan, mais c'est quoi l'océan? Mais l'as-tu déjà vu? Si, mais c'était dans la lune. C'est cette partie du dialogue que je ne comprends pas. Et donc elle dit, oh, tu l'as vu une seule fois, c'est triste, et alors? Mais quoi, tu ne peux pas dire que tu connais le monde si tu ne connais pas tout ce qu'il y a derrière l'océan? Et il dit, mais enfin, je viens de te battre et tu viens de me raconter ce que c'était. Voilà, je comprends pas ce qu'elle dit. Elle dit, tu es comme un petit poisson qui ne connaît pas le grand océan, et si tu es si courageux que tu le dis, tu n'auras aucun souci à plonger dans le vaste océan. Donc des faillettes de Marine Palace. Et là, il y a un monologue, comme on voit. Voilà. Voilà, bon. Oui, j'ai déjà fait un extracteur pour aller voir la suite des cartes. Enfin, j'ai dit que j'avais un peu triché. Le replay, j'avais déjà sauvé lentement pour voir comment faire, mais ça m'aide pas beaucoup. Bon. Eh bien, vous savez quoi? Nous allons nous quitter sur ce magnifique... Je sais pas si on le voit, il y a écrit et tout, 13 à planter. Voilà. Envoyer un rapport d'erreur, ne pas envoyer. Voilà. Bon, donc là, c'est terminé, on voit plus l'écran du jeu. Donc, je vais remettre l'image du début que j'avais mis au début de l'extra, et puis, bah, écoutez, je vous laisse là. Hein. Sur ce très beau plantage avec un epic fail plus ou moins réussi et tout. C'est con parce que je voulais sauvegarder le replay, c'est bizarre qu'il ait planté quoi. Je pense que c'est à cause de l'enregistrement de Fraps. Donc voilà. Bon bah écoutez, il est 3h du matin, j'ai sommeil, demain j'ai du boulot, donc je vais me lever assez tard. Heureusement mes horaires sont décalés, je vais du 13h-20h30. C'était le slash my life, on se retrouve très bientôt pour un commentaire du replay. Bah oui parce que là j'ai un peu triché, j'essaierai de le faire en intégrale. Sans réellement tricher, en étant plus concentré, moins fatigué. Et ce sera toujours mieux que de uploader juste un replay. Donc voilà, ce sera mieux, je pourrais dire plus de trucs. Je serai plus détendu, mais là, c'était n'importe quoi. Surtout la fin avec les deux vies perdues, les deux bombes. Là. Bon, on avait remarqué que j'avais triché. Hein. De toute façon, ça ne changeait pas grand-chose. Je pourrais uploader les trucs du spell practice. Mais justement, quand je ferai un bon replay, je l'uploaderai pour dire, tiens, j'ai réussi sans tricher. Voilà. Parce qu'à l'aveugle, c'était quand même pas évident. C'était pas évident quand on n'est pas lunatique comme moi. Bon bah écoutez, voilà, donc je vous laisse. Salut !